Station Best de variété. Alors, à persan de couleur noir et blanc, son nom, son âge. J'ai le regard, 5 points. Félicitations. Et enfin, un bébé Maine Coon de couleur bleu, bloodshot, tabby et blanc, son nom, son âge. Elle s'appelle Juliette et elle a 4 mois. Donc, félicitations à tous ces chats pour leur best variété, les plus beaux chats dans leur race et dans leur couleur. Bravo. Donc, c'est toujours une, hein, de toute manière. C'est sur vous que ça va tomber. Donc, je vous charrie un petit peu avant de présenter votre chat. Donc, bah, oui. Non, c'est moi qui parle. Non, c'est moi qui parle, c'est pas vous. Donc, à Birman, le dernier. Donc, toujours dans la série des bestes variétés. Plus gros chat dans la race et dans la couleur. Donc, de couleur chocolat point. Donc, son bon fromage. Vous savez plus. Vous êtes écarté. Je ne sais pas qui m'en va, c'est pas lui. Donc félicitations à tous ces chats pour leur best variété, plus beaux chats dans leur race et leur couleur. Félicitations. Une femelle neutre de 63. Toute seule. Allez. It's only one. Elle est toute seule. Ok. Deuxième. Ok. Félicitations. Best in show. Allez, toute seule. Best in show pour numéro 63. Félicitations. Alors, le 315 et 147. 315 et 147. 315 et 147. Deux mâles 6-10. Deux mâles 6-10. C'est des millions, Isabelle ? Isabelle ? Millions ? Millions ? Oh, il a sûrement dû bouger son cul, là, parce alors, que c'est énervant. Six femelles adultes. On va en sortir qu'une seule. Laquelle sera la plus belle ? Parce que devant, on voit rien du tout. C'est bon, hein. Alors, entre 28 et 4, combien de voix? Alors, on a... Oh là, il va falloir vous mettre d'accord. On a 2 voix pour le 4 et on a 2 voix pour le... Ah non, on a 3 voix pour le 28. 3 voix pour le 28. 28, casting show. Félicitations. Alors, après 275. Alors, maintenant, on a une femelle en honneur. Le 275. Une seule femelle. Ah bah, une seule femelle, elle va pas être difficile à juger. Elle va ramasser tout. Ok, là. Pour tout le monde. Ah, okay. C'est une bagarre. Une seule et noire. Ok. Ok. Jean-Paul, ok. Ok, baisse une chaude, félicitations. Ok.
178. 178, mal. 157. 292 et 67. Alors 72, 67, 292, 292. 292. 6000 Tabi, son nom, son âge ? Non, pas Tabi. Il a 9 frères. Et blanc. Félicitations, presque la variété. Donc toujours à 5 de couleur brun, tortille, maquerelle, tabi, son nom, son âge. Java de la Bouchienne, 7 mois. Félicitations, presque la variété. Encore à 5 de couleur blanc, non. Oui, blanc aux yeux impairs, oui. On ne trompe pas. Donc son nom, son âge. Félicitations, presque la variété. Donc un Singapour, le plus petit chat du monde. Donc son nom, son âge. What's your name? Alia. Félicitations, best variété. Donc madame ne parle pas français, elle vient de Belgique, du côté flamand, donc elle ne comprend pas très bien. Donc un British Shorter de couleur Red Point, numéro 147, son nom, son âge. J'y perturbe tant que ça, madame. Ah, Jocelyne. Merci, félicitations, best variété. Et une race assez rare, et le Havana Brown de couleur chocolat, donc son nom, son âge. Donc félicitations à tous les chats pour leur best variété, plus beau chat dans leur race et dans leur couleur. Félicitations. Il a 5 ans le Singapour. La personne qui a produit jamais. On dit trop bête. Donc une petite précision, le Singapour a 5 ans. Donc félicitations. Elle s'appelle Pilote avec le Bluette et elle a 9 mois. Donc félicitations pour le best variété, plus beau chat dans sa race et dans sa couleur. Donc on a ici le numéro 321, un Kurilian Bottel poil long de couleur Red Silver Tabby Mackerel avec une particularité, madame, vous allez nous la dire. Elle a une queue en pompon. Voilà. Faites voir sa queue en pompon au public. En fait, c'est un chat, on peut dire, presque sans queue. Il y a juste un petit pompon. Un petit pompon. Voilà, donc son nom, son âge. Elle a 10 mois, elle s'appelle Yosha du domaine d'Ophélie. Donc félicitations pour son best variété, plus beau chat dans sa race et dans sa couleur. Alors numéro 236, un Maine Coon de couleur noire, entièrement. Donc son nom, son âge. César Coon Ipanema, 11 mois et demi. Félicitations, best variété. Donc toujours dans la série des Maine Coon, les plus gros chats. C'est pas trop lourd, madame, ça va? Bon, je vais attendre encore un petit peu, je vais passer à madame à côté. Donc c'est un Maine Coon de couleur rousse, son nom, son âge. Joker du Pointy Coon, 6 mois. Et il pèse? 5 kilos. 5 kilos, ça va encore. J'imagine qu'il y a des Maine Coon qui font 10-12 kilos, c'est beaucoup plus dramatique à porter, hein, au bizarité. Donc là, ici, on a un Sibérien de couleur silver, tabby, point et blanc. Donc son âge? 1 an et demi. Phoenix Anovich Silkassé. Voilà, c'est tout un programme son nom. Donc félicitations à tous ces chats pour leur best variété, plus beau chat dans leur race et dans leur couleur. Félicitations. Merci. Son nom, son âge. Il s'appelle Jazz de Team 4 et il va avoir 5 mois. Félicitations, best variété, plus beau chat dans sa race et dans sa couleur. Alors, le numéro 117, un birman de chocolat, de couleur chocolat, tortille point. Son nom, son âge. Guess Wayam du Château Merveux, 4 ans. Félicitations, best variété. Toujours un birman de couleur lilas de point. Son nom, son âge. Fanny Dreams, Vivaldi, 1 an. Félicitations, best variété. Pourquoi qu'il leur donne des noms de chevaux? Ouais, alors, toujours un birman? Eh non, c'est pas un birman, c'est un exotique shorter, la version à poil court du persan.
Donc exactement le même standard, sauf qu'il a le poil court. Alors, son nom, son âge, s'il vous plaît. Perfect Club Iris, un an. Félicitations, best variété. David, David. Et toujours la version exotique short term et la version black, la version noire, entièrement noire de A à Z. Son nom, son âge. Ishayou, Secret of Me Love. Il va être content. Ah, il va être content. Aujourd'hui en plus, donc bon anniversaire. Félicitations à tous ces chats pour le best variété. Donc tous vos chats dans leur race et dans leur couleur. Petite récompense. Je vais laisser la dame expliquer parce que je trouve que vous êtes de Birmanie, chocolat tabicois. Elle s'appelle Jolie Cœur du Madoffé et elle a 8 mois. Quoi ? C'est la quatrième. Bravo. La troisième, c'est le numéro 13. C'est une petite femelle, 6 points. Voilà. Elle est venue en France. Alors, c'est chocolat point, c'est Infinity du goût du bonheur. Elle a un an. Les époux, les plantages, les devoirs. Elle est très jolie, c'est ma troisième. Merci, madame. Numéro 2. Deuxième, c'est le 21. Donc, c'est une petite pointe, elle s'appelle Jasmine, elle a 6 mois et demi. C'est une chatte qui est massive pour 6 mois et demi, avec une très belle ossature, un très joli contraste également, de jolis dents, un joli profil. Donc aujourd'hui, c'est ma meilleure deuxième. Numéro 117. Cette chatte est une tortue, c'est une chatte extrêmement massive, avec un très bon contraste, de jolies couleurs, un excellent profil, de très beaux yeux, bien foncé. Ce que j'ai aimé chez cette chatte, c'est sa morphologie, qui est particulière, elle fait 4,5 kg, ce qui est quand même pas mal pour une chatte. Et puis elle a une excellente ossature. Voilà, bravo, t'es ma meilleure aujourd'hui. Là, une grosse chatte. Je ne me souviens pas toujours très bien des chats. Donc voilà, j'ai fait au mieux. J'espère que ceux que j'ai oubliés ne m'en voudront pas. De toute façon, c'était une belle classe de birmans, parce qu'en France, on a de très bons birmans. Probablement les meilleurs qu'on puisse trouver à l'heure actuelle en Europe. Donc voilà, je vais essayer de les classer tels que je les ai retenus à tous les cas. Voilà. Donc, mon dixième. Je vais vous demander d'avancer comme ça, les gens pourront vous repérer. Mon dixième est le numéro 200. C'est un petit mâle. C'est normal, il y a beaucoup de monde. Il a. On voit juste. Ça, voilà. Donc c'est un petit bouchon qui a un très joli type, une jolie couleur. La caractéristique du birman, vous verrez sur tous les birmans, c'est les petits gants blancs à l'avant, un petit nez, ce qu'on appelle un petit nez romain, c'est-à-dire c'est un petit nez busqué, des jolis yeux d'un bleu très foncé habituellement, bien ouvert, et puis des petits gants à l'arrière également blancs. Bon, il y a des éperons en général, mais c'est pas vraiment. Ça n'intéresse que les juges et les éleveurs. Le reste, la plupart du temps, le chat marche sur ses éperons, on ne les voit pas. Voilà. Donc merci beaucoup, c'est mon dixième. Alors là, on va le voir un petit peu mieux, c'est le 203, une petite femelle Sitabi. Donc là, on voit beaucoup mieux de contraste que sur le petit raid. Des jolis petits gants blancs, un très joli petit, vous voyez, des éperons bien en triangle, un joli petit nez romain, bien arrondi, un joli petit profil. Des oreilles
ce qu'on appelle le masque. Je saute un petit peu du coq à l'âne, j'ai pas l'habitude de faire présentation. Donc vous avez ce qu'on appelle le masque, qui a la couleur de base, qu'on retrouve sur les pattes, qu'on retrouve sur les oreilles et sur la queue. Le reste du corps reste copide. Voilà, donc c'est une très jolie petite femelle qui a entre 6 et 10 mois. Elle a 6 mois tout aujourd'hui. Bon anniversaire, petite minette. En tous les cas, elle est très jolie et prometteuse. Félicitations. Là, je pense qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus gros, le 307. 307, voilà. Donc c'est une chatte de Silpoint, très jolie, qui est faite. Quel âge a-t-elle ? 8 ans. Très très belle chatte pour 8 ans, avec un excellent profil, un excellent contraste des points. Ce qu'on appelle le contraste des points, les points, on l'a dit tout à l'heure, c'est les pattes, les oreilles, le masque et la queue. Et souvent, quand il les lisse, le corps fonce. Et elle a encore, pour 8 ans, un très très beau contraste, c'est-à-dire qu'on voit bien que le corps est beaucoup plus clair. C'est une chatte qui est très jolie, qui est une grande championne d'Europe, quelque chose comme ça, voilà. Elle est super titrée. Bravo, merci beaucoup. Et on passe au 268, qui est mon septième. Voilà, 268, c'est donc un bleu... Tabis, oui, il est un peu tabis. Ça se voit plus beaucoup, mais il est encore un peu tabis, voilà. Très très joli chat avec excellent profil également, des yeux magnifiques. Regardez la couleur des yeux, bien d'un bleu très très sombre, des jolis gants bien blancs, un corps bien massif, bien long. C'est un mâle qui est entier. Voilà. Donc aujourd'hui c'est mon septième. Voilà. Bravo. Donc le septième, c'était... Je vais appeler le 206, qui est mon sixième. Le 206. Ah ben voilà, un petit belge. Il a juste franchi la frontière. Très très joli profil, un chat qui est très massif, avec une excellente ossature, de très très jolis gants. Regardez la couleur des yeux, elle est superbe également. C'est vraiment des chats qui ont des très beaux yeux, d'un très beau bleu. Il y a d'autres chats qui sont color point comme ça. Mais souvent, les yeux sont clairs. La plupart des Birmans ont vraiment des yeux qui sont très très foncés. Bravo, c'est donc mon sixième. Le cinquième, c'est le 308. Voilà. Une fille, garçon, je me souviens. C'est un petit garçon, Silk Smoke. Ce qu'on appelle Silk Smoke, c'est un chat qui est Silk, bien évidemment, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais qui en plus est porteur de gènes Silver. Ce qui ne se voit pas tout à fait, mais c'est un gène spécifique, voilà. Le gène Silver, bon, même si ça ne se voit pas trop, bon, ça évolue aussi avec l'âge. Jusqu'à un mois et demi, bon, il y avait une couleur séclée au-dessus du collage. Et ensuite, vers ces deux ans, si c'est confortable, ce sera deux ans et 7 mois. Donc vraiment, vous verrez vraiment tout ce qu'on fait. Après, c'est une place, c'est quand on a un chat comme ça à l'intérieur de ses sports. Au soleil, il faut voir qu'il y a des scintillants. Donc il y a des reflets scintillants quand il y a le soleil qui est dessus. Va m'apporter un verre d'eau. Un petit break. Difficilement parce qu'il y avait une très belle classe de ragdoll.
mais c'est toujours pareil, faut les classer, c'est pas toujours facile. Donc mon cinquième aujourd'hui, je vais vous demander mon cinquième, c'est le 242. Voilà. C'est ce qu'on appelle la bleu guidette, c'est un chat qui est neutre. Bleu guidette, ça veut dire qu'il a des petits dents sont blancs, un menton qui est blanc, et le dessous du ventre qui doit être blanc, et je suppose qu'il est, de toute façon, on va pas se faire pour ça. Parfois, ils peuvent également avoir un petit peu de blanc sur le dessus. Bon, il n'a pas, c'est pas obligatoire. Donc aujourd'hui, c'est mon cinquième. On applaudit. Le quatrième, c'est le 136, qui est un cygne bicolore, c'est une petite femelle. Voilà. Ce qu'on appelle bicolore, c'est une petite femelle. Enfin, c'est un chat qui a un triangle inversé au-dessus de la tête, qui ne doit pas monter, bien évidemment, trop haut. Il est très joli yeux au bas. D'une couleur très très foncée. Les dents, enfin les pattes avant sont blanches, l'arrière également, le dessus du corps est coquilleur. Et donc aujourd'hui c'est une petite femelle. 5 mois. Ouais, donc c'est encore un bébé. Et c'est ma quatrième. Et on a le droit d'applaudir. Le 267. Voilà, c'est un matou, ça. C'est un matou qui est signe David Brent. Avec quel âge a-t-il ? Alors lui, il a 4 ans. Il est assez puissant. Il n'a qu'une seule couleur, c'est-à-dire il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de dents. Il a de très beaux yeux ovales, bleus. Une couleur qui est un petit peu foncée, mais c'est l'âge, c'est normal. Donc aujourd'hui, c'est mon troisième meilleur. Bravo. Le deuxième meilleur, Ragdoll, ça se bosse, c'est un petit mâle, Silmidel, 135. Alors, Silmidel, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais ça se voit plus là, c'est un petit menton qui est tout blanc, le dessous du corps sur le ventre, une grande raie blanche. Et puis la couleur des pointes est cygne, ce qu'on appelle cygne, en fait c'est marron. Hein. Il est très gentil, il a un cygne, bravo, c'est un très très joli matou. Aujourd'hui c'est mon deuxième meilleur. Devinez quel est le meilleur? Une petite femelle, cygne tabi, absolument magnifique. Je crois que c'est la fille. On doit avoir le papa, voilà, on doit avoir le papa quelque part. Hein. Très très jolie petite femelle, excellent type. C'est un bébé et de très jolis yeux, ovales, toujours ovales, jolie forme des yeux. Oh, c'est elle qui vous a les yeux comme ça? Ah bon, bien sûr, elle sort ça. Bon. Très très jolie couleur, jolis yeux, joli placement d'oreille, excellent profil. C'est vraiment une très très jolie chatte. Elle a 3 mois, c'est ça? Un tout petit bébé, voilà. On l'applaudit très fort, c'est mon meilleur Ragdoll. Il a l'air surpris, là. Ah, voilà. Bien, merci, mesdames, pour avoir amené ce joli chat. Ici numéro 300, un birman de couleur 6 smoke point. Comment son âge ? Félicitations, beste variété. Donc toujours un birman de couleur 6 points, son numéro 21, son nom, son âge. Félicitations, beste variété pour vos chats dans sa race et dans sa couleur. Alors toujours un birman de couleur red point, son nom, son âge. Donc on appelle point, 6 points, crème point, red point, parce que ce sont des chats hein, qui sont colorés aux extrémités, aux oreilles, la face, les pattes et la queue. Voilà pour la petite explication du point. Alors le 119, je ne sais pas, un sacré Birmanie de couleur bleue, son nom, non.
de couleur lilas. Donc son nom, son âge. Félicitations, best variété. Et le 271, toujours un sacré de bien-même, de couleur crème pointe, son nom, son âge. Donc félicitations à tous ces chats pour leur best variété, plus beaux chats dans leur race et dans leur couleur. Bravo. Donc on a un persan, un tal et une tal. Donc là, ex aequo, il va falloir sélectionner le cinquième. Donc là, c'est pareil. On vient participer le public. Alors, au hasard. Au hasard. Elle fait un peu plus vite. On va pas aller vite. Monsieur en rouge et bleu marine. Qu'est-ce que je dois faire? Bonjour. Alors, les chats se sont parés de dentelles. Dentelles, parce que c'est une valencienne. Donc là, il faut sélectionner, comme ils sont ex-aequo, le cinquième de la série. Donc il en reste trois. Donc parmi les trois, et dans ces trois-là, ils ont une lettre chacun, le H, le G et le J. En violet. C'est un persan. Voilà, c'est celui-là que j'aime bien. Tout le monde aime le persan. Alors, c'est très beau. Le cinquième, il a les yeux bleus. Alors, voir la dentelle, c'est le terme. Là, il est bien en dentelle. Hein. Ouais. Avec la dentelle, c'est bon. Il a les deux yeux bleus. On n'aurait pas eu le terme, on aurait pu prendre sur le sujet du show. Donc, il en reste deux. Alors on va récompenser la demoiselle. Elle a fait un œil bleu. Ça peut être joué, hein. Mais elle est mignonne. Et je pense pas que c'est ça qui a joué. Donc, le taille, s'il pointe, donc avec les extrémités black, ou le taille blue pointe. La dilution hein, du black, donc les extrémités bleues. À votre avis? Qui a le plus beau? Là, on regarde pas le chat, on regarde qui a le plus beau costume. Alors, on les montre bien. Oui, je sais. Attention. Happy, c'est son nom. Happy Girl. Eh ben, je crois qu'Happy va être heureuse aujourd'hui parce que c'est elle, voilà, qui fait sa chaîne, le G, voilà. C'est
106, 142, 113, 120 sont attendus chez la bravo, une personne qui va me nommer son deuxième. Comme ça, je l'appuie sur l'épaule et c'est bon. Vous avez des grandes oreilles, des lacets, donc le C. Alors, le troisième. Je perds la suspense. Une tête que je ne connais pas. Madame, accepte ça. Si vous avez une baignoire en fait. Donc le troisième, il n'a pas de rompre, donc c'est le bagage. Troisième. Donc quatrième, le persan. Dans le carré E, 135 dans le carré E, s'il vous plaît, au fond. Ah, il est là, ne tombez pas, madame. Donc les best variétés, toujours dans la même série, donc les plus beaux chats dans leur race et dans leur couleur. Donc on commence par un Scottish Fold, donc un bleu ticket de tabby, son nom fromage. Giro de style british, 7 mois bientôt. Donc Scottish Fold, pourquoi Fold? Parce qu'il a les oreilles pliées. Est-ce qu'il existe d'autres variétés de Scottish? Oui, il ne faut pas oublier le Scottish Straight qui lui a les oreilles droites. Donc ça va quand même... C'est quand même plus sympa d'avoir un Scottish Fold qu'un Scottish Stretch. C'est quand même la particularité du Scottish, c'est quand même les oreilles un petit peu pliées. C'est sa particularité, mais bon, sur chaque portée, il y a toujours quelques Scottish Straight. Donc pour moi, ben, le Scottish, il est en deux exemplaires, le Fold et le Straight. Et quand on aime, on compte pas. Bonne félicitations, belle variété pour ce Scottish Fold. Donc on a ici un Angora Turc de couleur Black Smoke, son nom, son âge. 7 mois. Il n'y a pas de nom? Jazz, du coup, la tête du. Alors, pourquoi Black Smoke? Alors, Black, pourquoi? Et Smoke, pourquoi? C'est pas le droit, oui. Donc, Black, tout simplement, la traduction en anglais, noir. Et Smoke, cette particularité de certains chats qui ont, là, on le voit pas. On le voit pas trop, c'est pas encore la saison, mais le sous-poil est de couleur argentée. On le voit quand même un petit peu plus ici. Le sous-poil est de couleur argentée. Il aurait été noir pur, ça aurait été vraiment noir de A à Z. Là, il y a une partie de son poil qui est de couleur argent. Voilà. Félicitations, best variété. Alors, le numéro 139, un American Curl de couleur black, dorky, blotched, tabby et blanc. Donc, son nom, son âge. Curl Passion Jocelyne, 4 mois. C'est une black, dorky et blanc. Donc, est-ce que comme les Scottish, les curls ont des différences d'oreilles dans... Oui, tout à fait. Il y a trois degrés différents. Premier très léger, le deuxième intermédiaire et elle, c'est un troisième degré.
Donc vraiment des oreilles très pliées. Ok, merci pour cette définition. Best variété. Alors le 178, un chartreux de couleur bleu. Évidemment, il n'existe que dans cette couleur, si je me trompe. Donc c'est un chat français. Bravo, Cocorico. Donc son nom, son âge. Antares de l'Ambre du Manoir et il a 2 ans. Félicitations, best variété, plus beau chat dans sa race et dans sa couleur. Alors, le 135, c'est notre petite retardataire, bien évidemment. Donc, il en faut toujours une, je vous l'avais dit, je vais vous charger un petit peu, je vais vous faire attendre aussi un petit peu. Ouais, en plus, il a l'air bien lourd. Donc, c'est un ragdoll de couleur Simited, son nom, son âge. Vanderduel Coco Chanel, il a 7 mois. Alors, pourquoi Mited? En fait, c'est une particularité du patron, il a des gantages et des chevaux. Bravo, elle connaît son standard par cœur. Donc félicitations à tous ces chats pour leur belle sévérité, les plus beaux chats dans leur race et dans leur couleur. Félicitations. Il manque encore 4 chats. Bon alors là, il y a quelques membres du comité qui sont déjà en train de choisir. En attendant, je vais appeler donc des personnes au hasard. Faites assez vite parce que les chats n'attendront peut-être pas trop longtemps parer de cette façon. Donc allez, au hasard, le numéro 15. Donc la personne qui a le chat numéro 15 vient sans son chat évidemment choisir un des chats sur le podium. Le numéro 199, le numéro 12, 16, 102, 241, 282, 157 et le 100. Le numéro 22.
Donc le propriétaire du chat 22 en bas du podium. Le numéro 60. Le numéro 45. Alors, les propriétaires des chats numéro 102 et 220. Oh, Laurent, je suis tout le chat, là. Dur, hein? Ça va, ouais. Imagine la tranche d'avis. Alors, déjà, les autres, on va bien. Ah, ouais. Le numéro 5. Liliane. Numéro 5. Alors, le numéro 150 et 73. Donc, les propriétaires du numéro 150 et 73 au podium pour venir voter. Choisir le plus beau chat paré de dentelle. Le chat numéro 7, la personne propriétaire du chat numéro 7,
et 210. Les propriétaires des chats 7 ou 210.